Bonjour, j'espère que vous allez tous très très bien. Nouvelle vidéo haul action, c'est la suite de la vidéo que j'ai postée hier. Donc j'ai coupé la vidéo en deux parce que c'était très 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 long pour vous. Du coup, je continue, je vous montre mes achats. Donc n'hésitez pas à voir la première partie que j'ai postée sur ma chaîne donc hier hein, pour voir le reste. Donc là, je continue avec mes achats de chez Action. Et vous, si vous souhaitez voir la première vidéo que j'ai postée, il y avait le gaufrier, il y a plein plein de choses vraiment super intéressantes. Je vous mets le lien en barre d'information, donc je l'ai posté hier hein, sur ma chaîne Les Astuces de Linda. Et n'hésitez pas à me suivre sur ma deuxième chaîne aussi, Les Vlogs de Linda. Et juste pour info, ma deuxième chaîne, Les Vlogs de Linda, c'est pas du tout le même contenu, donc je me déplace dans les magasins, vous montrer les nouveautés, les arrivages dans plusieurs enseignes, notamment Action, je vous montre les nouveautés dès que ça arrive en rayon. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas aussi à faire un petit tour sur TikTok, Les Vlogs de Linda, et sur Instagram, Les Vlogs de Linda, si vous êtes intéressé, si vous aimez Insta ou TikTok aussi. Vraiment pas cher. Un truc vraiment vite fait, c'est un chiffon pour laver le sol. Chiffon pour le sol, il est assez grand hein, celui-ci. Il est assez grand, je vais essayer de voir les dimensions. C'est 60 par 70. Hein. Voilà, c'est pour le sol. 1,11 € je pense. J'ai pris ce anti-cerne en fait que je prends souvent. Je prends toujours celui-ci. 4 tasses et 4 sous-tasses avec un tour doré. Et sachez que cette vaisselle trichique, elle est disponible chez Action. Il y a toute une gamme. Hein. Il y a le grand saladier, la grande assiette, la moyenne. On a aussi normalement deux tailles de bol et cet ensemble-là, en bleu et gris anthracite. C'est 2,79 € je pense, l'ensemble. Je trouve ça tellement joli. Dites-moi en commentaire, vous avez pu l'acheter ou pas vous. C'est beau, hein? La dernière fois, j'ai pris ces petits pots à épices où j'ai mis déjà mes épices. C'est des pots vraiment super chic, très jolis, mais vraiment rien à dire niveau design, niveau voilà, toucher comme ça, très très joli en verre, bambou, hermétique. J'ai mis mes épices, je trouve ça trop beau. J'ai mis les étiquettes que j'ai trouvées dans le calendrier, l'agenda en fait 2024. Je vous ai montré la dernière fois cette astuce-là. C'est des petites étiquettes comme ça qu'on retrouve à l'intérieur. J'ai mis juste le nom de l'épice et le tour est joué. J'ai mis mes étiquettes. Voilà. Du coup, j'ai trouvé une autre option qui va vraiment vous plaire. Vous allez kiffer. C'est ça. J'ai déjà montré sur ma première chaîne l'astuce. Je vous montre ici. Si vous ne me suivez pas là-bas, c'est dommage. Donc, c'est des stickers. On a ici 100, on a 1750 pièces. Il y a plein, plein de stickers à l'intérieur, les chopinettes. Et franchement, c'est pépite. Il y a plein. Ici, en fait, vous voyez du rose, mais c'est des lettres. Regardez. C'est des lettres, plein, plein de choses. Là, c'est les mois et les jours. Et en fait, là, c'est des lettres. C'est rond et c'est des lettres. Moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est ça. Vous pouvez l'utiliser pour plein, plein de choses aussi. Des petits messages. Là, on a des étoiles, des cœurs, plus, moins, des flèches, plein, plein de choses. Plein de messages. Je viens ici, c'est mieux parce qu'il y a plus de lumière. Sinon, il y a plein, plein de stickers. Je voulais juste vous montrer ce que je vais faire moi pour mes pots à épices ou pots à provisions. Comme par exemple, là, par exemple, j'ai du riz. Je peux marquer ici du riz en lettres comme ça, en doré. Je trouve ça génial. Voilà, vous pouvez. Je vais vous montrer juste la lettre R. Attendez, elle est où? Ici. Donc là, comme le pot il est grand, vous pouvez poser une grande lettre. Là, j'ai mis la lettre R. Et je vais continuer pour marquer RI. Voilà, là, j'ai fini. Donc, c'est juste pour vous montrer. J'ai fait vite, hein, pour vous montrer juste un petit exemple. C'est vrai que quand le mot il est plus long, c'est mieux, c'est plus joli. Là, voilà, on peut marquer riz, sucre, farine, pâte, lentilles. Dites-moi en commentaire, vous en pensez quoi de cette petite astuce que j'ai trouvée ici à Action de côté loisirs créatifs. Donc, il y a plein, plein de lettres en double, en triple. Donc, là, O, il y en a 4, N, 4 aussi, K, L. Franchement, on peut faire plein, plein de choses à 99 centimes. Il y a plein, plein de. Et c'est pas fini, hein. Je vais vous montrer un autre truc, vous allez voir. Regardez ça, les filles. Là, c'est blanc, rose, rose pâle, marron, doré. Vous prenez par exemple ce doré-là, vous allez voir. Vous allez le coller ici. Voilà, je vous montre. Vous allez marquer ce que vous voulez au milieu. Voilà.
Vous mettez paprika, ce que vous avez mis en fait. Vous le collez bien, là il est un peu de travers. Donc là, il y a du doré, vous pouvez mettre la couleur de votre chien, il y a même de votre choix, il y a même du blanc ici. Voilà, donc vous pouvez marquer paprika un peu tout petit et je trouve ça vraiment joli. Je l'ai déjà fait avec les autres et regardez. Il y a même des lettres en rose. Regardez, si vous souhaitez marquer avec une lettre en rose comme ça pâle, vous pouvez hein, vous prenez la lettre et vous la collez. Il y a ce modèle aussi, regardez. Il y a cette couleur-là, c'est des lettres aussi. Il y a même hashtag, etc. On a ça aussi. On a ça aussi. Il y a aussi ces lettres, mais là, c'est des petits carrés, hein. C'est pas pareil. C'est pas comme ça. C'est pas du tout la même chose. Et on a cette couleur-là aussi, un petit peu plus foncée. On a ces petits triangles, rectangulaires, pardon. Et on a aussi ça. Ça aussi, vous pouvez l'utiliser pour les pots à épices. Voilà, les pots à provisions, les pots à épices, ceux-là, là, ceux-là aussi. Là, j'ai mis. Je vous montre juste ce que vous pouvez faire plein de choses avec. C'est juste un petit exemple. Vous pouvez décorer votre pot, etc. Voilà le carnet concerné à 99 centimes. J'ai repris une deuxième carafe. Voilà, à 4,95 €. Un litre avec le bouchon comme ça hermétique en bambou. J'ai pris une deuxième. Je me suis dit, on ne sait jamais si je reçois. Ce serait bien de poser en fait deux modèles de jus de fruits, de jus de fraises, cocktail de fruits, etc. etc. Donc en plus, franchement, c'est tellement présentable, je trouve. Donc j'ai repris un deuxième et là, c'est le premier que j'ai pris. Et là, je vais juste vous montrer pour les filles qui me suivent le pot à épices que j'ai reçu de chez Shein. Il est là. Regardez, j'ai mis les épices à portée de main. Comme ça, tout est là. Franchement, je suis très satisfaite. Il est vraiment extra. Je vous mets le lien si vous le souhaitez. Je vous mets le lien en pot à épices juste en bas. Donc là, pour finir la vidéo, je vais vous montrer le miroir que j'ai acheté de chez Action. Je vous ai dit que je l'ai rendu, je me suis fait rembourser. Il est magnifique, absolument rien à dire, de bonne qualité. Donc le cadre est en métal brossé doré, on a aussi du noir, pas très cher. Et franchement, j'ai vraiment aimé ce miroir, mais il était trop petit pour chez moi. Donc je vous souhaitais un miroir similaire, mais plus grand. Donc je voulais en fait mettre un miroir ici, juste à côté. Regardez, je vous montre juste le rendu. Pour moi, c'est trop petit. Voilà. On ne sait jamais si vous souhaitez l'acheter. Je vous montre juste le rendu du miroir. Vraiment pour vous donner une idée si vous souhaitez vraiment l'acheter. Comment ça rend en fait. Donc ça peut aller dans une petite pièce ou bien salle de bain, au-dessus de lavabo par exemple, dans une petite entrée, un petit mur quoi. Mais là, je trouve que c'est un peu petit quand même pour le mettre ici. Dites-moi votre avis en commentaire. Mais franchement, c'est dommage, il est magnifique. Donc je vais vous montrer où je voulais le mettre. Avant, je vous montre l'étagère. Donc je vous mets le lien. Je vais essayer de vous mettre le lien de l'étagère. J'ai eu beaucoup, beaucoup de questions. J'ai pas trouvé encore les boutons dorés, malheureusement. Je vais peut-être les commander sur internet. Hein, donc je voulais souhaiter vraiment changer en fait au niveau des tiroirs. Les petits boutons, ils sont argentés. Je souhaite les changer en doré. Donc je l'ai acheté sur le site Mano Mano, l'étagère. La lampe de chez Jiffy, elle est rechargeable, tactile, elle est magnifique. Sinon le miroir, le grand miroir avec le bord doré, il est de chez Maison du Monde. Et le petit miroir, je souhaitais vraiment le mettre ici à l'entrée. Voilà. Voilà, donc là je vous ai mis quelques photos des articles que j'ai déjà achetés et que j'ai présentés sur la première partie. N'hésitez pas à voir la vidéo si vous souhaitez. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Prenez bien soin de vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo Haul Action et d'autres enseignes.